Salut à tous, c'est Pank de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'auto-hypnose parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là par des personnes qui travaillent un petit peu l'auto-hypnose ou un peu plus. En tout cas, dans une dynamique vraiment de travailler sur soi, pas simplement d'aller dans un état de relaxation. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'auto-hypnose, est un des aspects de l'hypnose qui nous permet de descendre dans sa transe, la transe étant le lien entre le conscient et le subconscient en contournant le facteur critique, et de travailler sur nous de différentes manières. On peut le faire de manière plutôt de détente, de relaxation, on pourra même retourner dans des états méditatifs, on peut aller dans des états plus de relaxation, intense, profonde, qu'on peut faire après du sport, qu'on peut faire dans des phases un petit peu complexes de nos vies, quand on a un boulot stressant, quand on vit des périodes de vie un petit peu houleuses. Ça permet de nous recentrer, de retourner vers nous, donc on peut retrouver vraiment cet aspect relaxation, voire méditation, méditatif en tout cas, une auto-hypnose méditative. On a également tout l'aspect intéressant qui va être le travail de thérapie. Alors, on va mettre des guillemets à thérapie, on va dire de cheminement personnel pour un mieux-être. Comme ça, au moins, on ratisse large. Et pour ce faire, bah, il y a différentes manières. Alors, dans les questions qu'on me posait, c'était « Ok, mais moi, je descends en transe, je vais dans ma transe et après, je fais quoi ?» Et la deuxième question qui me revient assez régulièrement, c'est je vais en transe et puis je me souviens plus de rien et je reviens quand mon timer me le dit ou je reviens d'un coup sec sans me souvenir ce qui s'est passé. Alors deux choses, ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre un timer, ça peut être bien au départ. On va pas avoir constamment le même type de transe, même si on s'est ancré un type de transe. Pourquoi ? Parce que notre quotidien fait que on va avoir, bah, comme tout, il y a des moments où vous allez être concentré quand vous écrivez quelque chose ou quand vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo ou quand vous faites du sport ou quand vous êtes avec des amis. Il y a des jours où vous ne le serez pas du tout, vous serez dans votre monde, vous serez déconnecté, vous ne voudrez pas être en rapport, en contact avec les autres, simplement parce que votre quotidien, votre vie fait que vous n'arrivez pas à prendre le temps. Donc on va dire tout l'aspect du système, la systémie autour de vous ne vous permet pas de retourner dans le même état. Même si on l'ancre, parfois votre transe va être plus ou moins variable. Parfois elle va être profonde, parfois elle va ne pas l'être du tout. Et ça n'a pas d'importance. À la limite, vous allez apprendre au fur et à mesure de votre pratique à la rendre de plus en plus stable. Vous allez apprendre à aller dans un endroit qui peut être utile pour vous. Alors moi, ce que je vous conseille pour les débutants ou en tout cas pour les personnes qui veulent vraiment passer par des étapes, commencez par créer une zone de confort. On fait très simple, on fait un tout pretend, hein, faites comme si les yeux sont collés, maintenant testez, vous vous rendez compte que vos yeux ne sont pas collés, vous ne pouvez pas les ouvrir, ok, parce que vous faites comme si. Ok, maintenant on fait un deepener, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vous le faites à votre rythme. Le décompte, le deepener, l'approfondissement, entre chaque chiffre, vous pouvez vous dire la suggestion, 10, je double mon état de relaxation et vous faites comme si. Vous imaginez dans quel état vous seriez si vous étiez deux fois plus détendu, deux fois plus à l'intérieur de vous. Moi, je préfère la notion à l'intérieur de moi. Pourquoi ? Parce que détendu, il y a des moments où on n'y arrivera pas, on ne sera pas et ce n'est pas important. En hypnose, on n'a pas d'obligation d'être détendu. Donc, deux fois plus à l'intérieur de moi. Ou pour ceux, je pense là, Mehdi, qui veut absolument aller en hyper-impéria pour vivre quelque chose d'intéressant par le haut. Allez, je suis deux fois plus en expansion, deux fois plus en contact, deux fois plus ouvert aux possibilités. Suggestion directe que vous faites juste après votre auto-induction, hein, faites comme si, d'accord ? Faites comme si votre décompte ou votre compte, si vous voulez aller en ascendant, et vous créez une suggestion entre chaque. La suggestion permettant simplement d'offrir à votre corps et à votre esprit une orientation commune pour aller vers ce qui vous intéresse. Et moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de créer, de former votre zone de confort. La zone de confort, ça va être quoi ? C'est quelque chose de très simple. C'est un lieu qui va être neutre. Alors, prenez un lieu neutre. Quand je dis neutre, c'est neutre émotionnellement. C'est-à-dire que n'y ajoutez pas vos grands-parents, vos amis, votre chien, votre femme, vos enfants, ou je ne sais pas quoi. C'est un endroit où
vous allez vous imaginer seul et avec aucune personne et aucune connotation émotionnelle connue. Donc prenez peut-être une image que vous avez vue, que vous aimez bien, un monde inventé, un univers qui vous plaît, pour vous donner comme zone centrale. Et vous allez prendre un temps pour le découvrir. Je rappelle à tout le monde, on n'est pas obligé de voir en hypnose. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Pan, je ne vois rien. J'écoute tes audios, je ne vois rien. Je suis allé voir un hypnothérapeute, j'ai rien vu. » C'est pas grave, on s'en fout que vous ne voyez rien. Imaginez. Donc je rappelle, exemple qu'on connaît très bien en hypnose, mais que je rappelle, comme ça, ça vous permettra de vous en souvenir quand des copains ou vos patients vous vont dire « Mais moi, je ne vois rien. » Imaginez un dragon qui vole. Peut-être que vous l'avez vu quand je vous l'ai proposé, peut-être que vous l'avez juste imaginé, peut-être que le concept du mot, le son, va créer une sensation, une émotion, quelque chose. En tout cas, on sait tous de quoi je parle. Et à la limite, pendant toute votre session, si c'est la même chose, vous conceptualisez, vous imaginez, j'aime bien ce terme-là, ça suffit. Et vous allez imaginer, conceptualiser votre zone de confort. Ok, peut-être qu'il y a un endroit où vous allez pouvoir vous détendre. Un endroit qui va plus vous ramener de l'énergie. Un endroit qui va plus vous reconnecter à des choses. Un endroit qui va vous emmener vers un autre endroit qui sera plus ouvert, plus possible pour vous, pour aller travailler sur une communication avec une partie de vous qui sera peut-être représentée par un personnage, un être ou toute autre chose d'ailleurs, là ça peut être un contact avec un double quantique, ça peut être un contact avec en thérapie des parties, donc avec une partie de soi, etc., etc. Donc première chose, on se crée une petite zone de confort. Donc quand vous ne savez pas quoi faire d'abord en auto-hypnose, ce que vous faites, vous allez créer votre zone de confort. Ça peut prendre 1, 2, 5, 10 sessions, ça n'a pas d'importance. Le tout c'est qu'à chaque fois que vous y retourniez, vous ayez une forme de ressource, c'est-à-dire que dès que vous allez dedans, vous allez vous sentir bien. Donc développez là, et là c'est là où vous pouvez avoir de la créativité. Vous n'êtes pas créatif, pas grave, faites confiance à votre subconscient. Dites-vous, voilà, je vois un lieu qui me fasse du bien, et à chaque fois que j'y passe, je vais me sentir bien, à l'aise. Suggestions, pensez bien à vos suggestions, vous êtes en train de vous faire vous-même votre session d'hypnose. Donc, sauf que vous êtes seul, donc c'est à vous de créer les suggestions. Pour créer un environnement qui sera votre environnement de base pour votre travail d'auto-hypnose. Après, tout ce qu'on va pouvoir faire, ça va être déjà dans cette zone de confort, la construire, pour pouvoir y retourner, récupérer des ressources quand il y en a besoin. Seulement, il y a des moments où il va nous manquer des ressources. Donc, on va créer ce que moi, j'appelle une zone d'évolution. La zone d'évolution, c'est quoi? C'est passer sur une autre zone qui va être un peu notre zone de travail. Ce que moi, je nomme zone d'évolution, c'est zone de travail. Ce qui vous permettra d'aller contacter, dialoguer avec vous-même, donc toujours en vous imaginant. Il faut que vous soyez super actif dans votre auto-hypnose, sinon vous allez laisser les pensées parasites venir et vous n'allez plus savoir où vous en êtes. C'est vous qui lidez votre session. C'est parfois toute la subtilité qu'il faut prendre en auto-hypnose. Ne vous laissez pas manger par votre subconscient, mais restez suffisamment conscient pour pouvoir dialoguer avec. C'est vraiment notre transe équilibré qu'on va chercher et c'est vraiment ça que vous devez chercher. Oui, il y a des moments, bah, vous allez vous faire manger par le subconscient, et bah, à ce moment-là, ce sera peut-être simplement une transe de calme, d'apaisement. Vous allez revenir, vous ne savez plus trop où vous en êtes, mais au bout du compte, vous n'avez pas forcément travaillé, mais vous n'avez pas forcément rien fait. Vous avez simplement donné une possibilité à votre subconscient de parler. Et c'est dans la zone d'évolution, vous allez donc pouvoir créer des dialogues, vous allez pouvoir, en ayant défini en amont des objectifs, commencer à voir les suggestions que vous voulez mettre en place, les freins que vous avez à l'intérieur de vous, les freins que vous propose votre subconscient, toujours dans des créations de dialogues, dans des créations d'actions et de réactions, de questions et de réponses, parce qu'il faut impérativement que vous fassiez vivre constamment. Guy Pasco, une de mes professeurs d'hypnose, qui est aussi la professeure de méthode Silva, dit des choses qui est très intéressantes, qui dit, voilà, notre subconscient s'ennuie très vite, donc il faut toujours changer les modalités, mettre de la couleur, changer d'endroit, faire évoluer. Pensez jamais en passif, ne fixez pas, ne conceptualisez pas un truc qui est passif, mais toujours quelque chose en action. Quand vous allez aller à la rencontre de quelqu'un, imaginez plutôt de balader avec lui. Comme ça, vous voyez votre zone d'évolution qui grandit et vous êtes tout le temps en train de créer quelque chose. Plutôt que rester fixe, je trouve que l'idée est bonne, surtout en auto-hypnose, surtout quand on débute, de vraiment toujours être en action. Pour les personnes qui veulent partir plus en ascendance, donc en hyper-connexion avec tout ce qui se passe en ultra, moi ce que j'appelle hyper-impérien, hein, donc tout ce qui va être en développement de la perception, etc., pareil, toujours dans un mouvement, dans le dialogue, alors peut-être aller rencontrer
pour les plus, on va dire, spirituels, son âme, peut-être aller rencontrer, demander à son subconscient, donc là c'est toujours une question de sémantique, hein. Suggestion de petit à petit, je monte un fil d'or, ce fil d'or passe par le sommet de mon crâne, je m'élève de plus en plus, jusqu'à aller contacter un être. Dans quelques instants, je vais croiser un être, cet être-là sera mon guide. 5, 4, 3, 2, 1, je respire, ok, quelle est la première image? Peut-être, je ne sais pas, un oiseau qui passe ou quelque chose, ok, mon guide aujourd'hui sera cet oiseau. Je vais commencer à dialoguer avec, il commence à me faire voler avec lui, où je le suis, etc. Et vous allez créer petit à petit cette interaction avec votre imagination, votre subconscient en l'occurrence, qui va dialoguer, lui, parfois métaphoriquement, avec des images, etc. Parfois très clairement, avec des mots, parfois qui vont vous étonner, qui n'ont rien à voir là pour l'instant, et vous allez devoir travailler avec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, je reviendrai dessus, hein, bien sûr, avec les questions. Et là, c'est vraiment une introduction, mais vous avez vraiment un gros potentiel. Mon idée, c'est vraiment travailler d'abord votre zone de confiance, et de conscience, tiens, ce lien après avec une zone d'évolution pour aller travailler ailleurs, pour vous permettre des possibles dialogues, des possibles métaphores, parce qu'il y a plein de choses à faire. La clé, et je rappelle pour tout le monde, en hypnose, notre clé c'est quoi? L'outil primaire, c'est la suggestion. Suggérez-vous. En auto-hypnose, encore plus, suggestion plus action. Faites toujours vivre ce que vous êtes en train d'imaginer, de vous proposer, etc. Je rappelle encore une petite chose qu'on sait très bien en hypnose. Toutes les suggestions, répétez-les à minima 3 fois pour créer un pattern. Je reviendrai dessus s'il y a des questions. Donc, pensez-y pour ceux qui connaissent un petit peu. Pas de soucis si vos trans sont pas stables. Quand vous allez vous habituer à chaque fois à descendre dans votre zone de confort, vous allez commencer à rendre votre trans plus stable parce que vous allez avoir vraiment l'habitude, quand vous l'aurez fait 500 fois, 1000 fois, c'est-à-dire tous les jours, plusieurs fois, pendant 1 an, 2 ans, etc. Vous allez voir que vous allez être tranquille et vous allez savoir qu'à chaque fois, vous êtes dans le même état à ce moment-là. S'il y a des questions, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail, je ferai au mieux pour y répondre. Là, c'est encore une introduction, j'ai l'impression de faire plein d'introductions à chaque fois, à une manière de travailler. C'est pas la manière de travailler, c'est une idée comme une autre. Il y en a plein, il y a plein de... Allez, comme d'habitude, hein, étudier des bouquins, rencontrer des thérapeutes, des praticiens, si vous-même vous êtes praticien, échanger avec des collègues, etc. C'est une idée comme une autre de travailler. Et puis, développer vraiment votre potentiel. Chacun travaillera son auto-hypnose à sa manière, en fonction de qui il est, de ses perceptions. Prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas pour l'instant, peut-être que vous le prenez plus tard. Le plus important est de venir qui vous êtes dans votre pratique et dans votre travail d'auto-hypnose. Et comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un mail ou sinon commentaire sur Facebook ou YouTube, et puis je ferai au mieux pour y répondre rapidement. Prenez soin de vous, B1. À très vite, ciao.